On est dans la merde, les gars, là. Qu'est-ce qui se passe, Boss? Les chiffres de The Lone Ranger sont tombés. Et c'est l'un des pires flops de notre histoire. De chez Disney. Non. J'y crois pas, il y avait Johnny Depp dedans. Mais je l'avais dit, hein. Pierre des Caraïbes, c'est qu'un coup de bol. Écoutez, on n'a pas le choix, hein. C'est pas grave, ça arrive. Hein, les brainstorming, on se remet au travail, là, faut trouver une idée percutante. Quelque chose en béton. On a qu'à adapter un personnage Marvel, non? Jusqu'ici, ça a toujours marché. Ah mais non, enfin, les gens vont l'avoir marre, enfin, c'est super-héros. On devrait miser sur des valeurs sûres, on pourrait faire un nouveau dessin animé. On pourrait faire, par exemple, le Royaume 4. Le quoi? Le Royaume 4. C'est bien le Royaume 4. Il faut du concret maintenant, d'accord? Il faut tourner la page, Jeff. C'est fini, ça, l'histoire d'un petit lion qui se promène dans la savane, ça n'intéresse plus personne, ok? Et si on faisait un film avec DiCaprio? Oui! Oui, voilà, c'est ça, on l'a! Développe! Bah rien, c'est tout, juste un film avec DiCaprio. Il est tellement classe, je suis sûre qu'on ferait des enfants. Moi, j'aime bien. Hey, boss, on a qu'à faire un autre Marvel. J'ai Paul Rudd qui est prêt à signer pour faire une fourmi. Honnêtement, les gars, je crois que si on veut vraiment s'en sortir, je sais pas, il va nous falloir un miracle de notre galaxie, quoi. T'as dit quoi, là? Répète ce que t'as dit. Qu'il va nous falloir un miracle d'une autre... Pardon. Jeff? Oui? Vous allez me faire un petit chèque de 4 milliards de dollars, s'il vous plaît. Brenda, vous allez appeler Monsieur Lucas. Lucas de la Conca? Mais non, George Lucas! J'ai quelque chose qui va changer la face du monde! Tu me vois déjà, quoi. Wally! Ça fait du bien ce genre de film. Bonjour à toi, cher spectateur. Star Wars 7, Le Réveil de la Force de J.J. Abrams. 7e épisode donc de la saga, suite directe de l'épisode 6. Le résumé. Suite aux épisodes précédents, Luke Skywalker a disparu parce que un nouvel ordre a essayé de prendre la main sur la galaxie. Ça s'appelle le Premier Ordre. Donc ils essayent de prendre la main sur l'ensemble de la galaxie. Ils ont un peu de mal parce que la République est toujours en place, donc ils font plus office de résistance négative, ouais. On pourrait presque dire. Et donc, pour faire simple et ne pas trop en dire, la résistance envoie un de ses meilleurs pilotes récupérer une carte qui permettrait de retrouver Luke Skywalker et d'empêcher le Premier Ordre de dominer la galaxie. Ça, c'est le titre d'intro, hein, juste pour vous faire ça, parce que sinon on aurait pu rentrer dans les détails et ça aurait été très compliqué. C'est même particulier, soit c'est moi qui ai mal compris, parce qu'en soi, la République existe, c'est elle qui fédère plus ou moins. Mm-hmm. Il y a le Premier Ordre qui a dû s'implanter, qui essaie lui, du coup, de prendre une main et de contrôler toute la galaxie. Et il y a quand même la Résistance. Et du coup, ouais, la Résistance, mais en fait, la Résistance, entre guillemets, elle est dans le camp qui gouverne tout. Oui, c'est ça. En tout cas, au début. Donc, ouais, c'est une Résistance, mais ils les appellent les résistants dans le film, comme les rebelles. Ouais, voilà, du coup, oui, c'est vraiment une résistance, c'est pas une rébellion, contrairement à ce qui était évoqué dans l'épisode 4, 5 et 6. Dans les épisodes 4, 5 et 6, c'était une rébellion, là c'est vraiment une résistance. Ouais, quand même une nuance du coup assez importante. Donc voilà,
Eh ben oui, ben comment résumer ça simplement, il était très attendu, Star Wars 7, un tout petit peu attendu par une énorme communauté. Il a fait déjà 100 millions de hard recettes avant même de sortir dans les salles de cinéma, ce qui est tout de même assez conséquent. Et donc forcément, on en attendait pas mal quand même, on en attendait pas mal du film. Pas forcément dans le sens où on en attendait beaucoup de l'intérieur du film, mais on en attendait beaucoup rien qu'en tant que film. Peu importe, tout le monde attendait d'aller le voir. C'est ça. Jimmy, quel est ton avis sur Star Wars, Le Réveil de la Force ? C'est pour ça au début j'ai essayé de faire plusieurs expressions pour dire mais est-ce qu'il a aimé, il a pas aimé. Non, moi en tout cas, en avis global, oui, moi j'ai apprécié. J'ai kiffé, je suis redevenu un gamin à l'intérieur de moi là, en ce moment. J'ai envie de me barrer d'aller acheter un sabre laser, c'est ce que j'en oui, forcément, alors. Il y a déjà des gens qui vont mettre des commentaires, non vous n'avez pas le droit de dire ça, c'est horrible. Il y a des gens qui vont chier dessus, qui vont vomir dessus, qui vont gueuler dessus, allez-y, balancez des commentaires, on verra. Voilà. Mais non, en tout cas, voilà, moi aussi, forcément, il y a des faiblesses, il y a des choses que moi, j'aurais pas vu comme ça, qui m'ont un peu dérangé. Mais en globalité, non. Enfin, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à le regarder, quoi. C'était vraiment cool. Je trouve que c'est un très bon film. C'est un très, très, très bon film. Un divertissement de très, très grande qualité. Une œuvre épique et en même temps simple, qui regorge d'énormément de détails, qui est fait par un grand fan de Star Wars et qui respecte Star Wars et l'œuvre de George Lucas. Donc, rien que ça, c'est convaincant. Il avait énormément de poids sur les épaules, J.J. Abrams, il y arrive parfaitement à remplir ce contrat. Et après, par contre, Star Wars 7 est un premier épisode d'une nouvelle trilogie. Oui. Donc forcément, il y a beaucoup de points d'ombre, il y a beaucoup de points négatifs qui certainement seront complétés avec la suite. Mais oui, en l'état actuel, Star Wars épisode 7 est une œuvre totalement et magnifiquement en même temps incomplète. C'est, je pense, c'est le meilleur moyen de résumer le film. Je pense en tout cas... je m'imagine toujours les gens qui vont gueuler. Ben non, vous n'avez pas le droit de dire ça. Non, je pense en tout cas pour ceux voilà qui y en aura, c'est sûr. Beaucoup de gens vont pas aimer, beaucoup vont aimer. D'autres sont mitigés, d'autres sont rien à foutre. Moi aussi. Non, en tout cas, j'aurais envie de vous dire. Rappelez-vous à la sortie de l'épisode 1, La Menace Fantôme. Comment il a été conspué. Ouais. Littéralement. Et moi personnellement, je suis d'accord aussi avec ce qu'on reprochait l'épisode 1. On était revenu d'ailleurs sur la rétrospective. C'est ça. Celui-ci est mieux réussi, beaucoup mieux réussi. Ah oui, quoi. beaucoup mieux. Parce que voilà, faut être conscient que c'est du coup un premier épisode, comme tu viens de le lire, d'une nouvelle trilogie. Pour un premier épisode, il est super. Sans parler de forcément de la trilogie originale, parce que c'est pas prévu que ce soit déjà forcément une trilogie. Pour moi, cet épisode 7 est un bon début de nouvelle trilogie. Et J.J. Abrams a très réussi, dans ce qu'on parlait d'ailleurs de nos attentes, enfin, en tout cas moi les petites attentes que j'avais, il a fait parfaitement... faire de beaux échos à la trilogie originale et tout ça condensé avec la technologie qu'on a d'aujourd'hui. Il a su voilà équilibrer et marier le neuf avec de nouvelles choses, quoi, de nouvelles choses intéressantes qu'il a fait sur plein de points différents, que ce soit sur l'effet visuel, que ce soit sur le scénario, sur la façon scénaristique. Ouais, moi je trouve qu'il s'est bien démerdé. Il s'est bien démerdé. Bah déjà, il s'est bien débrouillé parce que en soi, le scénario sur le papier était très compliqué. C'est-à-dire que on a eu l'avantage de rentrer dans la salle en connaissant rien du scénario. Et je vous souhaite très clairement de ne rien connaître des ressorts narratifs de ce film parce que c'est très important quand vous rentrez dans la salle. Mais je trouve le scénario, donc signé par J.J. Abrams, Sir Lawrence Kasdan tout de même, qui a livré l'épisode 5 et 6 de la série, donc ce qui n'est pas anecdotique. Et Michael Ardent, qui est connu pour venir filer un petit coup de main lorsque le scénario est un petit peu bordélique. Scott Pilgrim versus The World en était un des plus belles exemples, puisqu'il était arrivé au dernier moment pour essayer d'équilibrer le film. Là, je trouve le scénario, dans l'ensemble, largement convaincant. Oui. Après, l'énorme problème, et Lawrence Kasdan l'avait dit à la sortie du film, c'est qu'il a énormément de détails, et il a tellement de détails, qu'en fait, il en oublie qu'il y a des points importants qu'il aurait fallu développer un petit peu plus. Et moi, je vais m'attarder rapidement. Donc, évidemment, spoil total et complet. Oui, on ne spoilera pas le plus gros point du film, mais on va spoiler pas mal de petits trucs. Je trouve le méchant bancal. Oui, ça, je suis d'accord. Vraiment bancal. Joué, du coup, par Adam Driver, qui s'appelle Kylo Ren dans le film. Moi aussi, c'est un acteur que j'aime bien. J'aime bien. Et du coup, je suis un petit peu déçu parce qu'il y a une scène, voilà, qu'on va pas spoiler. Voilà. C'est mieux de regarder cette vidéo, cette chronique, en ayant vu le film. Mais effectivement, il y a une scène de jeu qui est un peu en dessous. Il est un peu en dessous au niveau de l'énergie, du jeu, de l'impact. Après, je suis un peu moins déçu, en tout cas je me console, parce que je pense que pour les films à venir,
le personnage sera beaucoup mieux développé. Ouais, qui va beaucoup mieux se développer. Effectivement, ouais, c'est vrai que ce premier film a un peu une construction de background pour lui, en tout cas, pour ce personnage. Voilà, effectivement, Dark Vador, c'était différent. On le voyait pas, mais tous les personnages en parlaient autour. On sentait qu'il y avait un truc énorme. Il y avait un poids, Vador, quoi. C'était vraiment une espèce de mythe qui faisait sombrer la galaxie dans le noir. Et on n'a pas association avec lui, on l'a pas du tout. Le moment d'avoir ça. Ouais. Donc, entre guillemets, on a que ce qu'on voit quoi, les moments où il apparaît à l'image. Et malheureusement, c'est des points assez négatifs, je trouve, parce qu'il passe un peu pour un gamin compulsif par moment. Et c'est assez mal amené, je trouve. Même... Ce qui aurait pu passer pour vraiment des sautes de colère à l'image de Dark Vador dans l'épisode 3. Tout le monde du 3, film. J'ai envie de dire, même jusqu'à la fin où on le voit, moi il m'a donné un peu, du coup je me suis dit en fait c'est pas vraiment un seigneur noir des Sith, il a plus l'air d'être un apprenti un peu encore maladroit. C'est un padawan à l'image dans un sens, Fabien le disait assez bien, c'est un peu à l'image de Dark Maul. On a la sensation que tout au long du film il est un peu à l'image de Dark Maul quoi. Dark Maul je trouvais plus en maîtrise même. Oui, mais Dark Maul vois il avait même ce même côté très mystérieux, c'est à dire qu'on n'en parlait pas, on le voyait à peine, et pourtant ce mec là il est tout de suite à imposer un espèce de truc, on se disait oh punaise, le mec il peut déboîter des gens par kilo de 12 quoi. Mais lui, enfin Kylo Ren me donne un côté plus maladroit, lui vraiment plus jeune et plus dû justement à la scène que nous spoilerons pas, où là on a un petit doute. Alors, effectivement, ouais, il est vraiment dans le début, alors il y a peut-être moyen de. Puis c'est ça. Je pense que c'est ça. Au-delà de ça, je trouve que il y a un très joli, il y a beaucoup de clins d'œil donc à la trilogie originale. Point négatif, c'est ça. Il y a certains qui disent un peu trop, moi je trouve que c'est assez bien fait. C'est-à-dire que vraiment tout le film fait écho à la trilogie originale et à plein de petits points de la trilogie originale. Que ce soit par l'écriture des dialogues, par la manière dont la narration se développe, par le développement de certains personnages, il y a de jolis clins d'œil qui sont poussés un petit peu plus loin, toujours dans cette idée que J.J. Abrams ne veut pas s'enfermer dans l'œuvre de George Lucas et veut vraiment essayer de la pousser plus loin. Après, il y a des moments où c'est un petit peu too much. Ouais. Très clairement. Moi j'en préfère qu'il les fasse sans. Parce qu'il y a beaucoup de choses, au début voilà, je me disais ça fait énormément écho à l'épisode 4, donc le premier film qui a été fait. Après même des fois je me suis fait une réflexion, ça fait peut-être même écho carrément à la trilogie originale. Mais c'est ça. Pas forcément qu'au premier film. C'est vrai que tu faisais référence à la fameuse planète Starkiller qui... Oui, qui nous fait penser légèrement à Hoth. Qui fait penser à Hoth, la planète de la Résistance et fait écho. Endor. Voilà. Et au début on est sur Jakku, une nouvelle planète. Qui fait penser à Tatooine, littéralement. D'ailleurs j'ai pas trop compris pourquoi ils l'ont appelé Jakku, ils auraient pu carrément partir sur Tatooine. Qu'à faire. Bah oui, mais ça aurait peut-être fait. Ça aurait peut-être perdu, on va dire, le. Oui, je pense. Mais dans ce cas-là, je me dis plutôt, bah alors carrément, faites une autre planète avec un autre visuel, quoi. Ouais, c'est ça. On n'est pas sur le. C'est vrai que là, le visuel désertique fait vraiment. On se dit vraiment, ils sont sur Tatooine et ça semble pas logique, mais au final, ce qui est intéressant, c'est toujours cette idée qu'il y a tous les vaisseaux de l'Empire qui sont juste à côté et qui sont écrasés là. Et c'est plutôt assez classe, c'est vraiment. Ça leur permet aussi de créer, du coup, un peu une petite culture, micro-culture, on peut dire, des personnages qu'on croise. Voilà, on croise plus forcément que les Jawa. Donc on croise une nouvelle, voilà, des petites créations au niveau artistique qui sont un peu fait le plaisir, donc même ça c'est cool. D'ailleurs, petit point, je sais pas si on va peut-être pas en faire un point énorme, mais un truc que j'ai énormément apprécié, c'est qu'il y a pas mal de, alors oui, on va appeler ça de l'animatronique. Oui, il y a beaucoup d'animatronique ou des masques. Hein, ouais. Mais ça du coup j'ai vraiment kiffé, parce que les CFX des fois c'est bien, Jurassic World c'est ce que j'ai beaucoup reproché, donc c'est bien fait, ça se voit. CGI the movie. Ouais, on va pas se mentir, ça se voit. Et là, il y en a plein, quoi. J'ai dit, tiens, c'est cool, ils ont pris la peine de faire un masque. On revoit même Mon Calamari. C'est ça. Enfin, je suppose, it's a trap! Ils le disent pas, mais je suppose que c'est lui. Il a été résistant. Ah, bah oui, il y a les deux, trois petits poils qui lui ont poussé. Ouais, il y a pas de. C'est lui, quoi. Et là, ils ont fait un beau masque animatronique, quoi. Qui est, il part. Complètement. C'est vachement bien fait. Il y a pas que lui, il y en a d'autres. Et ça, j'ai apprécié. Et moi, ce que j'ai apprécié aussi au niveau de l'écriture, c'est qu'on a plus. Quand l'épisode 4, 5 et 6 faisait vraiment référence à la Seconde Guerre mondiale et à l'Empire nazi qui essayait de diriger le monde, moi, ce qui m'a fait marrer dans ce film, c'est qu'on peut y voir un écho sur la période pré-Deuxième Guerre mondiale, dans le sens où on pourrait dire que la galaxie, c'est l'Allemagne, et que le Premier Ordre, c'est le parti nazi qui essaye de grimper, et que d'à côté, il y a la Résistance, et il y a quand même la République qui est en place, mais ils essayent de la détruire. Mais je trouvais que le parallèle a été plutôt bien fait, parce qu'on a encore ce parallèle sur la Seconde Guerre mondiale, mais là, c'est avant la Seconde Guerre mondiale. Ouais, il y a une scène forte quand même, la scène, d'ailleurs, c'est dommage, est-ce que tu sais le nom du comédien voilà, qui joue aussi dans Ex Machina ? Domhnall Gleeson. Ouais, qui lui, il y a une scène, enfin, là, ça qui, fait qui est génial. On en parlera au niveau acteur, mais Domhnall Gleeson est génial, quoi. Ça fait purement écho, effectivement, au nazisme, quoi, même justement, on les voit. Clairement, ça dure rien, mais Nuremberg forever. Il lève les bras comme ça, et tu dis, là, on sent dans la salle un petit. Ouais. C'est ça. Et c'est cool, du coup, si on impose, tu dis, ah oui, quand même, allez. Bah voilà, on peut rebondir là-dessus. La mise en scène de J.J. Abrams, alors, je vais te laisser parler avant, parce que moi, j'ai un énorme reproche à faire à la mise en scène de J.J. Abrams. Donc, je vais te laisser parler avant. La mise en scène, c'est délicat, moi, je suis pas très calé sur ça. Il n'y a pas énormément de choses qui m'ont dérangé, un peu plus vers la fin. Après, c'est les mises en scène, on peut appeler ça plus ou moins, mais même le choix, du coup, où ils vont... spoil, pas de le dire.
où justement il trouve Luke. Moi, ça m'a un peu fait penser à des lieux de tournage qu'on faisait avec mon frère, qu'on avait un tournage amateur où genre on allait tourner dans le champ. Et en plus, il est posé un peu au milieu comme ça, de dos. Oui, oui, bon. Je pensais, je dis, on va peut-être voir quelque chose, il y a un truc d'important, ou peut-être des ruines de l'ancien temple de Jedi. Ouais. Mais et même après, du coup, il y a un. Oui, le tout dernier plan est assez mauvais. Et assez mauvais et un petit peu, con, et un petit peu planté par rapport au reste de la série et pas en écho. Et pas ouais, en écho. Non, pas en écho, voilà. Je parle vraiment des choses qui m'ont dérangé parce que les trois quarts des plans de ce qu'il y a, moi, ça m'a, j'ai pas eu de choses. Alors dis-moi ce qui t'a dérangé, toi. Et ben moi, je trouve que c'est un très bon film, très bien réalisé. Ouais. Mais que c'est la même mise en scène que Star Trek. Et ouais, ça me dérange vraiment. Ça me dérange vraiment parce que J.J. Abrams aurait pu faire beaucoup plus. Il y a beaucoup trop de plans qui ressemblent à Star Trek. Par exemple, J.J. Abrams a un gimmick récurrent, c'est de s'amuser à, dans le même plan, débuler la caméra. C'est-à-dire, le plan va commencer normalement, il va reculer et il va débuler tout doucement. C'est un gimmick de J.J. Abrams. Il y a des exemples, là, dans ce film ? Bah, à un moment, t'as Kylo Ren qui arrive sur la planète où il y a les résistants. Ouais. Et en fait, tu vois deux Stormtroopers derrière qui disent qu'ils ont retrouvé la fille et qu'elle est partie dans les bois. Mmh. Et en fait, le plan commence où on voit Kylo Ren qui arrive. Et quand ils voient les Stormtroopers qui arrivent en arrière-plan, le plan débute. Et il y a plein de plans comme ça. Et je trouve que J.J. Abrams aurait pu essayer de développer quelque chose de vraiment plus poussé de ce point de vue-là. Après, c'est débile de ma part de dire ça parce que la mise en scène est vraiment classe. Il y a des travelling et il y a des plans séquences qui sont juste jouissifs. Il n'y a pas de lens flare. Et il n'y a pas de lens flare. Pourtant, il y a des sabres laser qui font la lumière de toutes les couleurs. Je crois qu'il y a deux lens flare. Je crois qu'il y a deux lens flare. Il y en a un quand le Faucon Millennium décolle pour la première fois. Mais qui est très beau. Et sinon, il y en a un deuxième, je crois, quand les X-Wing et les I-Wing arrivent sur la planète. Sur le lac, je crois qu'il y a aussi un espoir là, mais c'est vraiment du clin d'œil parce qu'au final J.J. Abrams il enlève beaucoup de ses codes pour essayer de s'approprier vraiment les codes de George Lucas, mais il y a toujours, je trouve, cette identité propre à Star Trek dont il aurait pu se détacher, et je trouve ça un petit peu dommage parce qu'on sent que J.J. Abrams il veut développer de nouvelles thématiques, il veut développer un nouvel univers, l'ambition graphique du film est juste démesurée. Ce qui m'a éclaté aussi dans le niveau on pousse un cran au-dessus, c'est le côté quand ils sont dans l'hyperespace, on montre ça plein de fois parce qu'aujourd'hui on a la technologie de montrer ça. Oui, c'est vrai que ça peut-être à la fin parce qu'il y retourne, mais ouais, une fois, deux fois, je crois qu'on y voit trois fois. Ouais, mais moi je trouve que c'est pas nécessaire. Ouais. Moi je trouve que c'est plutôt classe. C'est vrai que ça fait un petit peu trop récurrent, genre ouais, maintenant voilà, on peut le faire. Une fois, deux fois, c'était bien. Ouais. Bah, encore, c'était pas dégueulasse à l'époque, je trouve. À l'époque c'était un vrai pari technique, donc ouais. Et ils l'ont fait que dans l'épisode 6, quand il y a toutes les navettes qui se battent. Oui, tu l'as pas dans d'autres épisodes, je crois. Même la vue subjective dans le. Oui, alors ça, tu l'as juste quand il décélère, je crois. Oui, oui. Mais c'est tout. Ah, tu veux dire après, oui. Ouais, d'accord. Parce que c'était par pareil technique très risqué. Voilà. Mais après, ouais, la mise en scène du J.J. Abrams, c'est tout de même de très belles idées. Voilà, j'ai dit, il y a des très beaux plans séquences, il y a un très joli travail de mise en scène, il y a vraiment des séquences qui sont haletantes. La première séquence de course-poursuite dans le Faucon Millennium est juste superbe. Il y a un dosage de l'humour qui est très très fin dans le film. Oui, ça c'est un truc important, je pense qu'on peut parler. Ouais. J.J. Abrams a vraiment essayé de faire en sorte que l'humour est là, mais l'humour n'est pas lourd. On est loin de l'épisode 1 et on est vraiment, dans l'esprit de l'épisode 4, je trouve. Ouais, après l'humour, je pense que c'est encore différent. Parce que c'est vrai qu'on a une fâcheuse tendance aujourd'hui. En tout cas, je pense beaucoup aux films super-héroïques, surtout. Surtout chez Marvel, en sachant qu'en plus c'est Disney qui a racheté les droits de Star Wars, on pouvait avoir cette crainte tout de même. Il y a beaucoup, beaucoup d'humour, et moi souvent ça me. Ça sonne faux quoi. En tout cas, moi ça me sort du film. Et là, il y en a, mais j'étais agréablement surpris parce que ça ne nous détache pas du film. C'est justement. Enfin, c'est bien dosé. C'est encore même des blagues, je trouve ça un peu exagéré de dire ça. C'est drôle, il y a des moments, ça nous fait sourire. Il y a des moments, ça nous fait sourire parce que ça fait clin d'œil à d'autres trucs. Genre, mais ouais. La séquence du tas de ferraille, elle est juste parfaite quoi. Elle est super bien écrite. En tout cas, c'est les petites fois où il y a des blagues, c'est le bienvenu. Ouais. C'est pas trop, ça nous sort pas de l'action ni quoi que ce soit. C'est voilà, ça nous fait un peu respirer, c'est drôle, mais du coup, ouais, je trouve ça important de le relever. C'est pas too much parce qu'il y en a qui vont dire ah, j'ai entendu dire qu'il y avait de l'humour dedans. Ah ouais, ça va être comme Marvel. Non, pas du tout. C'est très bien fait. C'est bien très fait. Très bien fait. Au niveau du casting, alors là, nous avons deux jeunes têtes en tête d'affiche. Donc une qui est totalement inconnue, qui se nomme Daisy Ridley, qui est, je trouve, superbe. Et on a John Boyega. Qui sont les deux grosses têtes d'affiche. Après, tout le reste du casting, ça serait monstrueux à développer. On a Adam Driver, donc on l'a dit, qui joue le méchant. On a Oscar Isaac, qui joue donc le meilleur pilote de la Résistance. On a forcément Harrison Ford, Carrie Fisher et Mark Hamill, qui sont tous les trois, voilà, ils sont ce qu'ils sont, c'est les légendes du cinéma, il n'y a plus rien à redire. Donald Gleeson, dans le rôle du général, est juste vraiment excellent. Tertiaire, j'ai envie de dire, mais qui est bien. Qui est les très, très bien. Fois où il apparaît, il est vraiment bien. Andy Serkis. Qui a un rôle, on ne vous dira pas lequel c'est.
parce que là ça serait vraiment dommage de vous révéler, ouais, mais qui est excellent dans le rôle et le personnage a de quoi être vraiment bien développé. J'ai hâte de voir et après. Beaucoup plus loin. Moi, surtout voilà. Pour lui, c'est j'ai hâte de voir après. On va rapidement s'arrêter quand même sur Daisy Ridley et John Boyega. Ouais. Moi je trouve que c'est important de les mettre en avant. Donc John Boyega qu'on avait déjà vu dans un Attack the Block. Ouais. Attack the Block qui était vraiment un très très bon film. Ouais, quand je tombais dessus, c'était un ovni, j'ai dit c'est quoi ce film, ouais. Enfin, super. Et qui était la vraie révélation du film, ouais. Et donc c'est en partie pour ça qu'il s'est fait caster pour Star Wars. Quelle année il date Attack the Block? Attack the Block c'est 2010, je crois. 2010 ou 2011. Ah non, il est pas si vieux que ça. Mais non, moi je trouve John Boyega vraiment excellent. Ouais, il est bien. Il est un très très bon personnage. Et Daisy Ridley, elle est, tu l'as dit, magnifique, cette jeune femme. Ouais, j'ai vu les bandes annonces, mais rien, mais dans le film, ouais, je sais pas, j'ai trouvé un petit. Elle a un beau, très beau sourire. Elle a en fait. Un magnifique sourire, c'est dingue. Et un petit côté, c'est fait exprès, je pense que ça va évoluer après au fil des années. Mais au début, un sourire un peu naïf, tu vois. Oui. On voit, elle est mignonne. Ah, c'est très beau. Et ouais, non. Il y a une très très bonne utilisation de cette jeune actrice. Mais en tout cas, ouais, elle joue bien ensemble. Et Adam Driver. Donc, Adam Driver qui. Qui est un peu en dessous, c'est dommage. Mais qui est bien en tant qu'acteur, c'est dommage parce que ce mec a tellement un potentiel monstrueux. Là, on sent qu'il est sous-exploité, qu'il se retient, quoi. Ouais. C'est dingue. Moi, j'avais l'impression qu'il se retenait tout au long du film. Après, et dans les épisodes, dans les épisodes 8 et 9, il va exploser, je suis sûr. Mais en tout cas, ouais, j'ai hâte de le voir plus tard. Je pense que, enfin, je lui fais confiance. Je pense qu'il va pouvoir se montrer un peu plus de quoi il est capable. Ouais, complètement. Donc, j'ai hâte de voir. C'est un bon acteur. Et Dominic Gleeson, moi je tiens à le mentionner parce que punaise, mais ce mec-là est en train de te pilonner Ian McDiarmid quand il joue le sénateur Palpatine. Il en fait tellement des caisses, mais ça passe tellement bien. La séquence où il parle à ses troupes, c'est peut-être l'une des séquences les plus à la fois jouissives de tout le film et en même temps à mourir de rire si on s'attarde vraiment que sur le jeu de Dominic Gleeson, tellement il a fond. Ah, moi ça m'a pas fait rire. Il se met presque à postillonner tellement il est dedans, enfin c'est énorme. Même quand il a hâte de parler. Tu sais, il en tremble encore un peu, tellement qu'il est sous le truc. Mais c'est étonnant, moi, c'est pas un personnage qu'on voit plusieurs fois à l'écran, avant même cette scène du coup qui nous marque vraiment. Et on pense pas, on dit oui, c'est un personnage, enfin en général, comme on en voit plein dans les Star Wars, il va peut-être mourir par Kylo Ren, on s'en fout. Et non, ouais, en fait, ce mec sort du lot et il arrive post-écoute. Il a un charisme dedans. Je trouve. C'est. Du coup, je pense que ça peut être intéressant, si c'était pas prévu pour l'instant, de, en tout cas, lui donner plus de place, peut-être. Mais je crois qu'il est développé comme à l'image de ce général qu'on avait dans, dans Un Nouvel Espoir, qui était très très bien aussi. Enfin, ouais, c'était impressionnant. Rapidement, la musique de John Williams, il n'y a pas grand-chose à en dire, elle est vraiment excellente. Moi, je trouve que le thème de Rey qu'il a développé est plutôt bien. Ouais, celui qui m'a le plus marqué, moi. Ouais, parce que sinon, on va dire que ces musiques sont soit très référencées aux épisodes 4, 5 et 6, soit elles sont vraiment très très bien amenées dans l'action, et donc résultat, on n'y fait pas forcément attention. C'est pour attendre que la bande originale sorte pour vraiment écouter les sonorités qu'il a trouvées. On voit le film, après, du coup, on peut s'appuyer sur d'autres choses, on a fait moins attention. Mais en soi, la musique est bien. Et ben voilà, bilan. Donc, Star Wars 7. Qu'est-ce que tu en retiens? Positif, moi. J'attends de voir la suite. Hein. Je suis content. Ce qu'on disait, oui, ça, on va devoir attendre 2 ans. Parce qu'on aura le. Si on aura Rogue One, l'anthologie qui va sortir en décembre l'année prochaine. Mais en attendant, il faudra attendre 2 ans pour voir l'épisode 8 qui sera réalisé par Rian Johnson, donc auteur de Looper. Donc on verra ce que ça va donner. Mais c'est vrai qu'en soi, ouais, tu as raison, c'est un très bon épisode, je trouve. Oui, enfin, c'est un premier épisode, faut pas l'oublier. Hein, et je pense que. Et peut-être qu'il gagnera en dimension avec le temps. Enfin, moi, j'espère, ça ne m'étonnerait pas du tout. On parle de notre rétrospective qu'on faisait. Bon, nous, après, je pense que c'est différent, ce ne sera pas sur le même schéma. Mais on préférait le 3, parce qu'on disait le 1 un peu de mal. Et on dit qu'il y a eu une bonne évolution, les films... Voilà, les films ont même bien évolué. C'est-à-dire qu'avec le temps, quand on était à l'époque, on se disait le 1 était bien. Puis finalement, plus on grandit, plus on trouve le 1 moyen. Et puis finalement, quand on revient et qu'on regarde cette trilogie dans la globalité, on trouve le 1 finalement plutôt bon. Oui, parce que voilà, on constate, enfin, on le remarque toujours et on se... Dans la globalité de la trilogie. Dans la globalité. On y repense toujours. Et là, ça sera à mon avis le cas quand on verra l'épisode 8 et l'épisode 9 de cette saga qui seront intéressants. On verra ce que ça va donner. Mais en tout cas, Star Wars 7, Le Réveil de la Force, c'est vraiment un film qu'on vous conseille d'aller voir. C'est le blockbuster de la fin d'année. C'est un excellent divertissement qui est bourré de défauts, mais qui, ça se trouve, arrivera à les corriger avec les épisodes suivants. Merci Jimmy, je vais te remercier du fond du cœur d'avoir participé à tout ça. Ça représentait beaucoup de travail et on s'est bien amusé. C'était cool. Voilà, comme d'habitude, je vais vous dire d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films, et on se retrouvera pour parler de films, évidemment. À plus. Tchuss. Pourquoi tchuss? Ça doit être... Je vais te finir par tchuss.